Je tenais à faire cette petite vidéo pour vous remercier de l'accueil de la dernière que j'ai publiée, je crois, dimanche dernier, qui concerne le décès de. J'ai pu voir qu'elle avait été appréciée, qu'il y a beaucoup de vues. J'ai eu des commentaires sur les réseaux sociaux, plein de commentaires positifs. Dans cette vidéo, j'aborde la question de petits pièges. En tout cas, je vous donne des conseils pour le décès d'eux. Et je vois que ça a plutôt plu. Donc, c'est peut-être quelque chose que je vais recommencer. Et justement, je pensais faire ça pour les autres domaines de compétences. C'est-à-dire de vous rééclairer sur les attendus du domaine de compétences. Éventuellement, vous donner des pistes de comment on peut faire apparaître ces compétences-là et surtout les pièges à éviter. Alors, ce sera des vidéos relativement rapides qui feront référence un peu après à d'autres choses. C'est fait juste pour vous aider et un petit peu comme cette dernière vidéo qui a l'air d'avoir fonctionné à ce niveau-là. Donc, je mets juste ici les commentaires que ça a pu générer et qui m'ont fait très plaisir. Et donc, c'est un exercice que je vais faire dimanche prochain, enfin pour la vidéo de dimanche prochain. Je tenais aussi à vous remercier parce que je vois, et je le dis pas toujours, mais vous l'avez vu dans la dernière vidéo concernant le DC2 de dimanche dernier, je suis complètement éclaté, je suis fatigué, je parle lentement, j'ai de tension. C'est parce que j'essaye quand même de m'imposer d'enregistrer les vidéos, même si je suis complètement crevé, fatigué. Donc, c'est une chose que j'ai pu dire dans certains commentaires sur les réseaux sociaux, mais voilà, je suis jeune papa, donc j'ai des petits qui sont en bas âge, voire bébés, et donc je ne dors pas tout le temps comme il faut, donc voilà, ce qui explique mes têtes, mais voilà, mais malgré ma fatigue, eh ben, j'essaie quand même d'enregistrer la vidéo, de vous donner le petit conseil, et je suis plutôt content des résultats que ça donne parce que je vois bien que même si je suis pas super en forme, en fait le contenu de ce que j'ai à vous dire vous sert quand même, et ça me fait plaisir quand j'ai vos retours et que vous pouvez me témoigner de ça. Ça m'encourage à continuer. Donc voilà, donc je vais continuer, même si je ne dors pas forcément beaucoup. Et je vais essayer de vous donner comme ça des petites pépites pour chaque domaine de compétences, pour l'EME et pour les ES. En plus, souvent, il y a des choses, en tout cas en termes de danger à éviter, d'erreurs à faire, souvent c'est commun. C'est-à-dire que même si après ça prend pas la même forme, quand on fait un hors-sujet, on fait vous tomber un petit peu dans les mêmes pièges du hors-sujet par exemple, et ça prend la même forme. Donc après, avec ces conseils, c'est vrai que souvent ça peut vous aider, aussi bien vous les ME que vous les ES. Donc voilà. Je tenais juste à faire cette petite vidéo assez courte pour vous dire ça. C'est la vidéo de mercredi. Donc après, si vous avez des préférences, eh ben, dites-moi sur quel domaine de compétences vous voulez que je fasse la vidéo en termes de rappel des attendus, de donner éventuellement des petits exemples et surtout les dangers à éviter. Voilà, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Si vous avez des choses à travailler prochainement, ben, mettez-le et puis je ferai en priorité le domaine de compétences qui est ressorti. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez me soutenir, eh bien je le dis jamais, mais vraiment, mettez un petit j'aime, partagez sur les réseaux la vidéo. Et puis, je vous encourage à aller voir toute la chaîne parce qu'il y a plus de 200 ou près de 300 vidéos, je crois, qui sont une aide précieuse pour la VAE ou pour le diplôme moniteur éducateur ou ES EduxP en général. Donc allez voir, allez faire un tour, il y a vraiment beaucoup beaucoup de contenu. Il y a même des personnes qui arrivent à valider et obtenir leur diplôme sans forcément prendre un accompagnement, juste en écoutant les vidéos, parce qu'il y a énormément d'aides méthodologiques et qui vous aident vraiment à écrire et après à préparer votre oral. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine, et puis ben, je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Bye.